Aujourd'hui, avec Pierre Cross le Bouzeux, on va devoir affronter 10 joueurs de tennis de plus en plus forts. Ça commence par un débutant qui n'a jamais fait de tennis et ça finit par une ancienne joueuse professionnelle numéro 1 mondiale qui a gagné plusieurs grands chelems. Notre objectif, c'est de tous les battre et pour ça, il faut réussir à leur mettre un point avec maximum 20 tentatives par joueur, ce qui sera plutôt simple au début, mais extrêmement dur sur les joueurs de haut niveau. Celui qui arrive à tous les battre avec le moins de tentatives gagne la vidéo. J'avais déjà fait ce concept avec le ping-pong et le foot que vous aviez adoré, et là que vous aimez le tennis ou pas, vous pouvez totalement regarder et kiffer bien sûr. Bref, c'est parti, bienvenue dans ce troisième épisode de la grande ascension. Et pour cette vidéo, je suis accompagné de deux personnes incroyables, on a Pierre Cross, on a Bouzy, ça va les gars? Très bien, très très bien, merci de l'invitation, celle-là elle fait plaisir. Merci de la réinvitation. Après le ping-pong, je viens prendre ma revanche sur le tennis et ça fait plaisir. C'est quoi votre expérience vite fait les gars en tennis? Moi je joue beaucoup en ce moment. Alors j'ai pas beaucoup d'expérience de base dans ma vie, mais depuis un an je joue pas mal. Et là tu vas être premier degré sur cette vidéo. Tu vas être très premier degré. Et toi Bouzy, t'es? Moi j'ai joué de mes 10 à 15 ans et là je fais du padel de temps en temps. Ah ça va, ouais, voilà. C'est pas mal. Et moi un petit peu entre potes, 2-3 fois par an quoi. C'est pour ça qu'on t'a pas demandé. Ouais, ça, c'est rare 2-3 fois par an, je me débrouille. Et bah les gars, écoutez, on va commencer maintenant et on accueille de suite le niveau 1. Vous le connaissez évidemment, c'est la légende de ces vidéos. On l'accueille maintenant, c'est parti. Le niveau 1, vous le connaissez évidemment, c'est Marius, la légende, ouais, qui nous tape directement. Très agressif comme attaquant. Marius, la légende, évidemment, au ping-pong, au foot, il était là. Marius, t'as déjà fait du tennis ou pas? Jamais, non? Marius, qui a 5 ans, pour ceux qui connaissent pas, évidemment, et c'est un peu le rituel. Marius, donc voilà, c'est le niveau 1 pour commencer tranquillement. Niveau 1, ça se trouve, il est hyper fort. Hein. En tout cas, il a très envie de se matcher. Les gars, si vous voulez, je vais commencer. Vous, vous posez sur le banc là, et après, vous allez dès que je marque un point, quoi. Ok, vas-y. Préparez-vous vite, il a très envie de monter à la volée. Ouais. Il va mettre des grosses matchs là. On a bien sûr Dylan en arbitre, et écoutez, je vais commencer maintenant, j'ai une pression énorme. Oh là là, quel match là qu'on voit. On a un très très beau match sur terre battue. Lucas, le service, service volé. Bon, il va avoir à peu près le même niveau. Et ça, ace ! C'est parti, ok, let's go. Ace ! Marius, c'est Lucas, mais en plus petit. J'avais peur de rater mon service au début. Ça met en confiance, les gars. Et bah, c'est parti, c'est à vous, les gars. J'y vais. C'est bon, c'est ça ? Bah, du coup, c'est bon. Hein. Vrai, Marius ! Et Marius, pourquoi pas ? Les petits Marius. Bah, ouais, c'est trop dur le tennis pour lui en même temps. Vas-y, allez, je tente, c'est impossible. Allez, Pierre. Je tente un gros service ou pas ? Vas-y, tente. Ah, fais gaffe, quand même, la sonne pas quand même. Bah, non. Oh, il est dans un vrai service. Oh, il est dans un vrai service et il célèbre. Oh, il a célébré le salaud. 162 km/h. J'ai un peu honte. Là, j'ai un peu honte. Au ping-pong, il avait renvoyé une balle. Au foot, il avait arrêté carrément. Et là, malheureusement, bah, en même temps, c'est dur le tennis quand même. Là, c'est compliqué. Hein. Oh, Marius qui part du terrain. Oh non, pauvre Marius. Oh non. Oh, ça fait trop mal. Bravo, Marius. Il va être trop cher. Merci, les gars. C'est pour le divertissement, Marius. Hein. Il est venu pour la bouffe. Hein. Il a l'air bon au rugby, par contre. Et écoutez, niveau 2, on accueille une légende, c'est exceptionnel ce qui se passe. On accueille Nelson Montfort. Bah, merci Nelson d'être là. Bonjour Lucas, bonjour Romain, bonjour Pierre. Déjà que je stresse un peu, mais avec une présentation comme celle-là, je vais stresser encore plus. En fait, j'ai accompagné depuis presque 30 ans pas mal de légendes. Je ne me considère pas pour autant qu'une légende moi-même. Bah, les tags, t'as côtoyé Federer et tu passes à nous maintenant, donc j'imagine que c'est un fossé un peu énorme. Quoi. Ouais, il y a peut-être un truc, il y a peut-être une différence de niveau. 14 victoires de Rafael Nadal, effectivement, vous n'en êtes pas là, même à vous trois. Hein. Pas encore. D'accord. Pas encore pour l'instant. On sait jamais. C'est quoi ton niveau en tennis, Nelson? T'en as fait, toi? Oui, quand j'étais plus jeune, je jouais correctement. Je joue encore en double avec mes filles aujourd'hui et j'adore ce sport. Et donc là, donc, bien sûr, Roland-Garros, ça débute dans quelques semaines, dans quelques jours même, quand la vidéo sort sur France 2. Donc toi, évidemment, tu seras encore France 2 et France 3, oui. Tu seras encore là pour... pour recueillir les propos des légendes au terme d'un match. Ça donne ceci, par exemple. Bon, my dear Lucas, parce que c'est souvent... Bien sûr. My dear Lucas, what did you think of this wonderful match? It was amazing. I'm very happy to be here in Paris. I love France. You speak very good English. Il parle très bien. Je parle un petit peu français. On va commencer maintenant, si t'es partant du coup. Je suis très partant. En tout cas, moi, j'ai un message personnel, c'est que je vous trouve vraiment tous très très sympas et je suis très heureux d'être parmi vous. Ah bah, c'est trop plaisir. Bah, merci Nelson. Et franchement, t'es vraiment une légende de la télé. Moi, je vais laisser le point. C'est un honneur pour nous. Je vous laisse commencer, les gars. Ah ouais? Vas-y, Lucas. Vas-y, je commence là. Allez. Les amis, quelle pression de jouer contre Nelson Montfort, quoi. Ça y est, Lucas, il commence à avoir la pression là. Là, ça devient des vrais points qu'il a pas facile à gagner. Oh, service. Service, ok. Oh, il tente un ace. Ok, je joue trop chill. Très. Je joue la sécurité. Ouais, je joue la sécurité des deux côtés. Oh, le revers, le premier revers de Lucas. Oh, ce qui va chercher le fond de cours. La jeune qui a cherché le fond de cours. Et Lucas caramel, peut-être le smash, non? Oh là, et Lucas, l'albatros. Il couvre tout le terrain, lui. Ah, c'est là, il va. Oh, bien joué, Lucas. Il joue sur le cardio, sur l'adversaire. Ah, bravo, Nelson, c'est un beau point. C'est un beau point. Ah, ouais, c'est un beau point, bravo. Ouais, j'ai eu peur. Hein. Je pensais que là-bas, je t'avais, là. Ah, ouais, j'ai eu chaud. Hein. Par contre, il place super bien les balles, Nelson. Hein. Et bah, écoute, je t'envoie Pierre ou Romain. On fait le même ordre à chaque fois, tu veux que j'aille? Ouais, vas-y. Ouais, j'ai eu peur, mon gars. Putain, ouais, il t'a fait courir. Hein. Je vais servir moins fort qu'avec Marius.
Il plaçait super bien ses balles. Il voulait te faire courir parce que bah, il voulait éviter de courir, je pense. Ah, c'est ça, mais il joue bien. Oh, Pierre, la pression. Oh, ce qu'il vaut. Ah. Oh, c'est passé. Oh, c'est passé, bravo, Pierre. Sur revers. Ah, oh, il est nul, mais voilà. Oh, le premier mot service. Attention à la double faute de Boudy. Il assure. Il sert bien. Oh non, Bouzy qui perd le premier point. Premier point, donc deuxième tentative, on passe devant pour l'instant, ça veut dire. Oh, il met des vrais services. Oh, il rigole plus. Hein. Il va attaquer. Ah non. Oh dommage, ça y est, c'est fait. Ah dommage. La pression. Et bah, il a quand même pris un point de retard, donc pour l'instant, on passe devant Bouzy. Nelson Montfort est venu juste pour ça. Ouais, bravo Nelson, hein. C'est incroyable. Pas pression de jouer contre vous. T'es un bon vivant, ouais, franchement. Ouais, enfin non. Je pensais que je t'avais avec le point là-bas au fond. On dirait que t'as gagné. Non, c'est pas. Et ben on se retrouvera justement à la télé, Nelson. Donc merci beaucoup d'être venu. En tout cas, c'est vraiment un honneur pour nous. Grand plaisir. Continuez ce beau travail, je vous embrasse. Et ben merci beaucoup. Et nous, on passe au niveau 3, c'est parti. Niveau 3 déjà. Waouh. Et avant de passer au niveau suivant, n'hésitez pas à prendre 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne. Ça me soutient de fou. Vraiment, c'est la meilleure récompense. Donc s'il vous plaît, massacrez le bouton s'abonner. Mettez-lui un grand smash à 200 km/h pleine tête. Voilà, vraiment, merci à tous les abonnés. Ça fait grave plaisir. Allez, c'est parti. Il y a niveau 3, on a accueilli aussi notre légende de la télé. Fabien Lévesque, Fabien, ça va? On est là. Un petit peu la pression après Nelson quand même. Hein. Bah, j'imagine. T'as vu le niveau? Ouais. Ça va être dur. Fabien aussi, bien sûr, figure phare de Roland Garros à la télé. Donc toi, comment on peut te présenter en termes de tennis? C'est niveau sport loisir, quoi, on va dire. J'ai pas le coup droit de Rafa, par contre. Oui, mais non, nous non plus. Hein. Même nous trois réunis. Oui. Et en plus, vous êtes chaud déjà, donc ça va être compliqué. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur Roland Garros? Donc, on en parlait déjà avec Nelson, donc ça va être diffusé. Toi aussi, t'as ton émission à côté en plus de tout le sport, c'est ça? En plus, tout le sport tous les soirs, 20h45 sur France 3. Et pendant la quinzaine Roland Garros, on sera dans la cabine du Central, qui est le véritable paquebot. Ça, c'est un truc fabuleux de commenter à Roland sur le Central. Je vous souhaite à tous les trois, les gars, c'est fantastique. Ah bah. Nous, c'est un rêve aussi, hein, carrément. Nous, on veut bien. Hein. On n'est pas contre. Hein. Et bah, merci beaucoup, Fabien, en tout cas, d'être là. Et puis, on va jouer contre toi maintenant. On y va. Et bah, c'est parti. Allez. Tu commences ou pas? Vous voulez commencer là? Tu veux que je commence? Allez, commence, Bouzy. Allez. Allez, je commence, les gars. Je commence. Il doit se remettre en forme, Bouzy. Voilà. Bouzy qui commence cette fois-ci, doit rattraper un point de retard. Mais je pense, Fabien a l'air chaud. Fabien, très, très chaud. Oh, il cale des premiers services. Alors, on précise que quand on surf en faute, ça compte pas une tentative. En gros, il y a double, forcément, deux services, quoi, comme au tennis, quoi. Faute. Oh, double faute de Bouzy. Double faute. Oh là là, ça fait une tentative en plus. Oh la honte. Oh, comment j'aurais pas aimé être à sa place. Et derrière, n'aurait jamais fait ça. Oh là là, okay. Service nerveux, très très nerveux. À la première, elle passe pas là. Hein. Oh là 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 là. Oh, deux double fautes. Oh, c'est dur mentalement. Deux double fautes. C'est dur pour le mental du jeune René. Bah ouais, c'est stressant le tennis aussi là. Il y a plein de gens, les gens ils voient pas derrière la caméra, il y a plein de gens. Il y a beaucoup de gens. Hein. C'est qu'au niveau 3. Oh oui, oh elle passe. Allez, sérieux, ça joue. Oh là 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 là. Ah, il stresse. Allez, dans ton match, Bouzy. On croit en toi, là. Et on a une très belle tenue de tennisman. Il y a aucun tennisman qui a son nom derrière. Hein. Non, ça, c'est vrai. Nadal, numéro 9. Allez, ça joue. Oh, oh, ça y est, c'est fait. Oh, il a eu là-dessus. Il a eu sur une faute. C'est pas très beau, hein. Vas-y, Lucas, moi, je stresse trop. Allez, Lucas, toi de jouer. Je me concentre. Allez, bon jeu. Ça fera bien, très peu joué. En fait, on a même pas joué, mais. Oh. Non. Putain, la vache, c'est belle. Lucas, il a un bon service, hein. Enfin, j'ai vu au resto, il sert très très bien. Non, mais non, Lucas, c'est pas possible. Après, là, on stresse. On joue contre quelqu'un qu'on connaît très bien à la télé. En plus, on sait qu'il est chaud. Non, mais tu sais qu'il joue bien. Hein. Ah, il joue bien. Oh, il faut service de Lucas. Allez, Lucas, à l'attaque. Oh, oui. Ça joue, c'est un bon point, ça. Oh. Non. Oh, il était magnifique, oh, joué. Et il y a niveau 3, il fait peur, déjà. Fort. Bon petit service quand même, hein. Oh oui. Oh oui. Oh Lucas, bien joué. Bien joué. Oh mec, c'est dur, hein. Wow. Et c'est vraiment stressant, je trouve, là. Allez, Pierre. Bon match. Oh là là, Pierre, il rigole pas. Ah. Oh là là. Oh, première tentative. Bien joué. Oh, c'est beau. Pierre, loin de l'adversaire. Bien joué. Bien joué, les gars. Oh là là. Oh, je gagne des points, là. Ah, bravo. Hein. Bon, vous avez eu du mal à passer les premières balles, mais c'était pas mal. Ah non, c'était bien. T'as bien joué. Hein. Bien joué. Bravo. Ah, j'aurais bien aimé faire un échange plus long, quand même. Il y a une petite frustration. Ça va arriver. T'inquiète, avec le niveau, les autres niveaux, là. Ah, c'est tellement kiffant, ce sport. Et il faut quand même préciser qu'il y a zéro échauffement avant aussi. Un peu à froid, mais bon. C'était déjà, nous, on sert. Et en plus, il n'est pas échauffé, donc c'est oui, le plus dur. En plus, t'as bien servi. On a eu des beaux avantages là-dessus. Et bah, écoute, merci beaucoup, Fabien, d'être venu, en tout cas. Niveau suivant. On va passer au niveau 4. Ah, il fait tes transitions, oui. Et on se retrouve, bien sûr, du coup, bah, sur France Télé avec tous les sports, etc., comme on a parlé tout à l'heure. Et bah, merci beaucoup.
beaucoup en tout cas. Avec plaisir les gars. Et bah, merci, à la prochaine. À plaisir, ciao. Merci beaucoup. Et on enchaîne justement sur le niveau 4, c'est parti. Niveau 4, on accueille Raphaël Nadal. Ouais, ouais, exactement. Non, tu t'appelles comment, frérot ? Mathieu. Mathieu, et toi, c'est quoi un peu ton palmarès au tennis ? Tennis, j'ai commencé à jouer il y a 4 ans, mais seulement comme ça, en loisir, quoi, avec des potes. J'ai joué qu'une fois en 4 ans. Ah ouais, t'en fais souvent ? Bah, l'été, j'en fais ouais, assez souvent quand même, 2-3 fois par semaine. Et bah, écoute, on va te massacrer, quoi. Bah, on verra ça, hein, déjà. Essayez de mettre le premier service, déjà. Bah, tu sais quoi, Pierre, t'as pas commencé, tu commences. Vas-y, je commence, t'as pas encore commencé, là. C'est parti, les gars. J'aimerais bien réussir à mettre mon premier service. Même moi, je me le dis moi-même. Bon match ! Bon match ! Allez Pierre, enfin, allez, pas tant que ça. Oh là là, ça renvoie déjà. Oh, beau revers ça. Oh, oh Pierre, oh, Pierre rate son premier raté. Ouais. Et là, il est premier degré, il a ce problème. Là, par rapport au Bimon, on est plus du tout tous ensemble. Là, on est vraiment chacun pour ça et on se fout de la gueule les autres. Très clairement, très clairement. Et là, il est tellement premier degré, Pierre, j'adore, ça se voit. Oh non. Dès le niveau 4, il rage déjà. Oh, c'est bon signe ça. Oh, je lance cette vidéo, putain. Putain, mais il joue lui hein. Oh, ça sort. Allez. J'y vais ou t'y vas? Comme tu veux. J'y vais. Tu vas? Ok. Allez, bon courage, Bozy, bon courage. Je me rends pas compte si t'es premier degré ou pas là. Je m'en fous. En vrai, je m'en fous. Tu t'en fous de gagner ou de perdre? Ouais. Ouais, ça se voit. Hein. Faut passer un coup de serpillère là. Attends, j'ai vu à la télé. Elle a un petit coup de balai. Oh, il est passé direct. Ah, il sert bien. Oh oui, beaucoup droit. Mais Bozy, ça se voit, il va être. Ouais, voilà. Il va être de plus en plus fort, plus ça avance. Regarde le micro. Micro qui en tombe. Ça arrive des fois à Federer aussi, il y a son micro qui tombe. Les gars, c'est un ace direct là. T'as peut-être pris un peu trop la confiance. Ouais, ouais, un peu trop, je crois. Allez, j'assure. Deuxième service, il est éclaté comme d'hab. Mais au moins, j'assure. Oh, ça place. Oh oui. Le lob. Oh oui. Le lob. Oh oui. Oui. Oh là 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 là. Let's go, là. Les gars. Magnifique, le lob. Magnifique. Merci, les gars. Bien joué. Merci, bien joué. Peut-être qu'on s'est trompé que t'étais niveau 3, quoi. Ouais, même 2, hein, je vois. Pour l'instant, c'est. C'est celui qui m'a fait perdre le premier point. C'est vrai, oui, oui, oui. C'est ton palmarès. On te retrouve toi sur France Télé. Ah non, c'est pas toi. Non, merci d'être venu, frérot, en tout cas. Bah, merci à vous. Et nous, on passe maintenant au niveau 5. Ça devient bon courage. C'est parti. Et il y a le niveau 5, on voit qu'il est fort parce qu'il a une casquette de tennisman. Tu sais, oui. C'est très tennisman. Ouais. Nadal en plus, hein. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Ça, rien que ça déjà, ça m'impressionne. Attends, t'as pas une raquette un peu déjà abîmée comme si tu jouais régulièrement ? Si, ouais, c'est ça. Hein. J'ai fait un tournoi la semaine dernière. Les vrais gars chauds, ils ont le truc pour la transpiration. Ah oui, il l'a pas, c'est bon. Je l'ai pas pris. C'est quoi ton palmarès ? Je suis classé 35 au tennis, presque 34, à un point du 34, et j'ai fait 3 tournois. Et pareil, pour expliquer aux gens qui connaissent pas trop, c'est quoi concrètement ? C'est 35, c'est pas énorme. C'est le premier classement. Il y a 40 quand t'as fait un match, mais où t'as perdu, et puis après, c'est 35 quand t'as gagné un match. Tu fais du tennis depuis combien de temps en général ? C'est la 4e année là. En club ? En club, ouais. Ah, donc oui, quand même, il y a un vrai cap. Hein. Et tu t'appelles comment ? On n'a pas demandé. Jean. Et bah, les gars, on va. Qui affronte Jean en premier ? Toi. J'y vais ? Vas-y. Très bien, je le sens bien. Allez, Jean, bon courage. Jean. Ouais, merci, toi aussi. Allez, je t'entends, Nice. Le cas, si tu gagnes, c'est comme si tu gagnais un tournoi en fait. Admirez, les gars, ça va partir très vite. Hein. Mais si ça passe. Oh, dommage. Mais je pense qu'il faudrait qu'il tape encore plus haut pour que ça plonge plus. Allez, j'assure. Ouais, on devrait faire du foot. Ah oui, là ça attaque direct. Ouais, je sais pas c'est quoi là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, c'est pas prévu ça. Ça fait 4 ans. Hein. Toi, ça fait 2 heures. Allez, tu vas le chercher ton point, tu vas le chercher. Oh, Lucas Kilob. Elle y est ? Ouais, ouais, elle y est. Oh, let's go. Et magnifique. Oh, je la voyais pas dedans en oh, plus. Oh, le lob. C'est sa spécialité. Let's go, les gars, let's go. Tu vas, Bouzy ? Allez, bon courage. Première fois que je joue sur terre battue d'ailleurs, mais j'aime bien la sensation, tu sais, ça fait un peu plus. T'as des vraies sensations quoi, t'as l'impression d'être un aventurier un peu. Pas du tout. Non. Ça, j'en fais trop. Ouais. T'es en polo blanc au milieu de Paris, donc. Prêt ? Ouais. Oh, il sert bien, il sert bien. Djokovic, il sert bien. Très Federer sur en mode balle. C'est tellement Rafael Nadal. Très Rublev, ce qui vient. Il a fait sa petite glissade, et ça impressionne un petit peu, en vrai. Ouais. Allez. Ah, il retombe dans ses failles. C'est vieux démon. C'est vieux démon. Ouais, il sert bien. Allez. Voilà, il peut l'assaisonner là. Essaye. Assaisonne-le. Oh non. Il est faute. Hein. Elle est faute. Ouais. Oh bravo, let's go. Ça va. Parfait. Ça va, c'est pas mal. Je suis pas incroyable, mais mes services, ça passe. Bon match. Merci. J'aime bien, t'as le même truc que tu fais au ping-pong, c'est des espèces de grands mouvements pour taper la balle. Ah oui, ouais. Bon, Pierre. Elle est liée ? Ah non. Non ? Non, elle est pas dedans. Elle est pas ligne. Oh, l'arbitre qui descend de sa chaise. L'arbitre qui descend carrément. Fais le petit geste de la main. Ok, on refait, hein. Tu l'as vu comment toi ? Oh, le pire arbitre.
Oh non, il était ignoble. Je suis sorti de mon match. Ah, c'est pas du ping-pong. Hein. Ça, Nadal, il fait ça, il arrête sa carrière derrière. Ouais, elle est connue celle-là. Ah, il fait des grands rounds. Oh, ça passe. Ouais, c'est passé. Dommage. Ça va, on n'est pas trop mauvais là. Bah écoute, frérot, merci quand même. Bah, merci à vous. Putain, tu m'as mis un beau renvoi, moi. T'as mis 2-3 coups à Lucas. Ouais. Bah, je crois que tu m'aimais pas en fait. Tu m'aimais bien les autres, mais pas moi quoi. Je sais pas, hein, ouais, peut-être. T'es un haters en fait. Ah non, je vais essayer de gagner quand même. Hein. J'aime pas mes vidéos, c'est pas grave, j'accepte. Vas-y, bon après-midi. Merci frérot, à la prochaine. Récap des points, les gars, pour l'instant, Pierre, 7 points. Moi, j'ai 8 points et Bouzy, 11. En vrai, ça reste très serré, les gars, et tout est possible. Hein. Tout est vraiment possible. Et justement, on passe au niveau 6 maintenant, à l'accueil, les gars. Ça va parler français là. Okay. C'est parti. Niveau 6 alors. Niveau 6, tu t'appelles comment, frérot? Je m'appelle Solal. Solal, c'est quoi ton palmarès en tennis, ton niveau? Tu t'en fais en club, tu fais quoi? Moi, ouais, écoute, j'en fais en club. Ça fait 11 ans que j'en fais. 11 ans? Je t'ai même pas né à l'époque. Le gap 5-6, c'est... 11 ans, et t'as quel âge? Bah, j'ai 21 ans. Et je suis classé 32 actuellement. Mais ça fait genre 2 ans que j'ai pas fait de tournoi. 30.2 32? Mais c'est pas une station de radio. C'est à côté d'énergie, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est pas loin. Et t'en fais toutes les semaines? Ouais, toutes les semaines, ouais. Bah, il va nous fumer, c'est pas possible. Ouais. Non, mais oui, bah. Mais les gars, je vais vous montrer l'exemple. Allez, tu commences? Allez, Bouzy. Allez, Bouzy. Là, c'est une bonne démarche, le tennisman, ça. Oh, Bouzy. Premier service. Oh, il était beau. Ça joue? Et ça joue agressif. Oh! Non. Yes! Elle vient là? C'est direct. Magnifique. Direct, j'ai envie d'y aller. Attends, mais tu faisais exprès avant, c'est pas possible. Le service, il a été étonné, du coup, j'ai eu un cadeau. Ah, mais t'as mis un beaucoup droit là après. Hein. Bouzy très très chaud et Pierre qui enchaîne direct. Ah, dommage. Mais tu vois, mon niveau, c'est encore un peu de la chatte. Mais non, je pense pas. Si je maîtrise un peu, il y a toujours un peu de chatte. Par contre, ça manque sûrement que là, si Pierre et moi on galère là, tu peux passer premier. Hein. C'est vrai. Elle sort. Oh là là. Oh là là, Pierre, ça sort ça, ça sort. Là, il rage. T'es mauvais, Pierre, en vrai, t'es pas au niveau là. Là, il perd ses moyens. En même temps, il a pas les mêmes chaussettes que nous. On a des chaussettes blanches et des chaussettes noires, déjà, ça change. Il est chaud. Oh, ça passe! Là. Oh, ça passe! Et en vrai, on n'est pas mauvais! Bien joué, Pierre! C'est bon, ça me rassure. Allez, j'y vais, c'est parti! J'ai cru que j'allais perdre 10 vies. Ça met la pression, là? Oui. Oh, Lucas, est-ce qu'il va refaire son lob? Son fameux lob. Très connu sur le circuit pour ses lobs. Non, il sort pas, monsieur l'arbitre! Même d'ici, je vois qu'elle sort. Hein. Ah, merde! C'est passé. Allez. Il propose un revers, les gars. Oh, j'ai foiré. Il a repéré ton point faible, hein. Le revers, elles sont tout le temps là, ces balles. Il a repéré ton point faible, le tennis. Même mentalement, là. Voilà, le revers, le fameux. Le lob. Oh, le bâtard, ah, ouais. On s'est fluide en passant. Ça va être très long. Lucas, j'ai un tournage après. Hein. C'était le même pour vous, là? C'est le même adversaire, là? Lucas, j'ai des vacances en juillet. Hein. Ah, le bâtard. Ouais, on se fait sa gueule dans 2 tours, ça va être nous. Ouais. Allez, le service de Lucas qui passe. Oh, yes. Let's go, les gars! Service gagnant, messieurs dames, incroyable! Pour moi, j'ai gagné Roland Garros là, dans ma tête. Bien joué. Oh, il était dur, hein? Bien joué. Ah, il se prend un service gagnant, ça fait quoi? C'est très douloureux. Dans le micro. Ouais, je sais pas si je m'en remettrai un jour. Hein. Continue comme le tennis, hein, t'arrêtes pas là. Hein. Ah, je vais essayer, hein. T'as des belles années derrière toi, quand même. Hein. Enfin, devant toi, même plutôt. Et ben, merci, frérot, d'être venu, en tout cas. Merci à vous, les gars. On passe maintenant au niveau 7. C'est parti. Alors j'analyse le poignet, non il n'a pas... Oh par contre ça c'est... Ouf. Non, c'est quoi ça? C'est le BDE. Ah non, rien à voir, je crois que c'était un truc... C'est juste une foire en boîte hein, ça. Ah d'accord, je croyais vraiment que c'était un truc de tennis. Non mais ça, tu joues beaucoup. Ça va ouais, je joue 2 fois par semaine mais c'est pas ça. Alors tu t'appelles comment déjà? Gauthier. Gauthier, et c'est quoi donc 2 fois par semaine, depuis combien de temps? Depuis que j'ai 5 ans, 5-6 ans. Et t'as quel âge? 20 ans. Et t'es classé, t'as quoi ça? Ouais j'ai été 5-6, et là je suis 15. Non, il faut savoir, c'est 5 ou 6. Ouais, mais tu peux pas savoir, justement. Attends, mais c'est quoi concrètement, pareil On va dire que t'es dans la 3e tranche, la meilleure des joueurs français hors professionnel. Ok, donc t'es très fort, quoi, pour résumer. Non, ça va. En gros, on va galérer. J'espère. Allez. Ah bah là, on va galérer. Et bah justement, on commence maintenant, qui y va, les gars? Ouais, moi, ça fait longtemps que j'ai pas commencé. Allez, bah Pierre, il y va. Allez. Silence. Bon match. Merci. Il fait arbitre en même temps. Oh là là, beau premier service. Ça envoie bien. Il est offensif sur son coup droit. Un beau revers qui est haut, longue ligne. Ouais, magnifique. Droit, putain. Oh là là. Tu sens que tu joues tranquille là-bas pour l'instant. Ouais, il s'est chaud. Ouais, ça, en fait, c'est vrai qu'il y a des autres. Alors que Pierre, il joue à fond. Oh, ça sort. C'est vrai que les autres qui arrivent contre nous, en fait, ils sont pas échauffés. Donc, déjà, c'est un problème. Du coup, ça peut être bien de jouer en premier, en fait. Ah ouais, j'avoue. Il m'a à son public de réagir, là. On se merde. T'as pas plus. 2 claps à la limite, mais pas plus. Hein. Oh, c'est facile pour lui. Je sens qu'il force pas du tout, quoi. Il s'amuse, c'est insolent presque.
T'as vu, Théma, il s'échauffe là. Et en fait, il veut assurer les balles. Ce qu'on vous avait dit tout à l'heure, c'est que lui, il a vraiment qu'une seule chance, quoi. S'il perd. Elle est magnifique. Super, ben voilà. Elle est parfaite. Elle est splendide. Deuxième essai, mon pote. Ah là 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 là. Là, c'est du quart premier degré aussi. C'est très premier degré, là. Grave, Romain, il a un gros service. Oh, oh le bâtard. Ça passe bien pour Romain. Oh, dommage. Oh, dommage, il fallait courir. Il n'y a pas les cannes. Une très expression de tennis. Ouais. Et pour l'instant, Bouzy qui fait. Oh, beau service. Par contre, il est chaud, là. Il se réveille. Oh, oh, ça sort et Bouzy qui va. Et Bouzy qui passe. Oh non, c'est à moi, allez, merde. Allez, on passe au niveau 8 maintenant. Ah non, c'est parti. Ah non, c'est moi. J'y vais tête basse. Ok, bon courage à toi. Enfin, surtout à moi, je crois. Très très mauvais premier service. Putain, moi j'ai cru que ça allait durer longtemps. Parce qu'en vrai, il joue tranquille quand même. Ouais, il jouait tranquille, mais. Oh, oh non, c'est ignoble. Quand ça touche le plafond, c'est rarement bon. Faut que je m'en souvienne ça. Allez, on se concentre. Oh, il passe un très bon service. Il a ramené par son adversaire le 7. Allez, Lucas. Oh non, oh, je suis trop ambitieux. Oh, l'amorti. Les services à plat, à partir du niveau 7, je pense que ça se rattrape plus facilement. Ah bon, oui. C'est même cadeau pour eux. Allez. Ah, c'est bien ça, Lucas. Allez, il est en confiance. Oh, oh, non, bien. Oh non. Oh, ça va, ça va, ça va. C'était pas mal ça, hein. Continue comme ça, ouais. C'est ton revers qui est pas bien. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais. Surtout à deux mains, je fais n'importe quoi. Putain, les gars, là, je suis sûr que je suis dernier, là. Je suis passé dernier, hein. Ah là, là, tu perds des vies, là. Mais c'est clairement pas fini. En face, il est chaud, là. Ouais, ça y est, en plus, il est chauffé. La prochaine fois, quand tu cas, comment. Oh, belle amortie, belle amortie. Oh oui. Oh, elle sortait, non. Elle est faute. Elle est faute. Allez, elle est faute. Oh, Lucas qui se sauve. Ah, ah non, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, apparemment. Elle est faute, qui a dit ça? Elle est faute ou pas? La trace, on va la trace. Ouais, let's go l'arbitre. Je vois la trace, elle est faute. C'est incroyable ce qui se passe. Oh, les gars, il m'a fait galérer. Et pourquoi vous galérez pas autant, vous? Bah, on est meilleurs. Ah oui, ah, oui, pardon, c'est ça, ouais. Ça, en précise, c'est que vous savez que vous avez qu'une seule chance. C'est-à-dire que dès que vous ratez, c'est perdu, donc forcément, vous devez un peu assurer, quoi. Vous pouvez pas jouer vraiment à fond, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'on a terminé le set? Oh. Tu l'as préparé depuis quand, celle-là? Je l'ai eu tout à l'heure, là. En fait, j'attendais que tu gagnes pour pouvoir la faire. Et bah, en tout cas, on aime bien. Merci, en tout cas, frérot. Bah, merci à toi. Et on va passer au niveau 8 maintenant. Oh, le niveau 8, il commence à me faire peur. C'est parti, niveau 8. Les gars, avant d'enchaîner, quand même, petit récap des points. Alors, malheureusement, ça a changé, malheureusement pour moi. Pierre, t'as 12 points pour l'instant. Pas mal, franchement, en 7 niveaux. Bouzy, 15 points. Et je suis passé à 19, donc je suis dernier. Mais 4 points de retard, 7 sur toi, en vrai, ça va, tu vois. Ça va, ça va le faire, ça va le faire. On l'a vu au ping-pong, là, à partir du 8, c'est là où vraiment. C'est là où il peut y avoir des gros écarts. Ouais. Ça change très, très vite. Tu t'appelles comment, frérot? Louis. Louis, et donc, alors, mon niveau 8, forcément, t'es chaud. C'est quoi ton palmarès, ton niveau? Tu t'en fais depuis combien de temps? C'est quoi ton plat préféré? Enfin, voilà, la question de base, quoi. En fait, depuis que j'ai 6 ans, je pense, j'ai été 1-6 l'an dernier. Et là, je suis redescendu à 2-6. Donc, attends, tu peux expliquer, c'est par rapport à celui d'avant, c'est mieux qui était. Lui, celui d'avant, il était combien? Son pic, c'était 5. Ah oui, et donc là, c'est bien mieux, quoi. C'est 4 classements au-dessus, du coup. C'est si dur, mec, j'ai l'impression d'être retourné en école d'ingé, là. T'en fais 2 fois par semaine? Ouais, 2 à 4 fois par semaine. Moi, je te jure, j'en fais 2 à 4 fois par an, mais vraiment maximum. Ce qui me rassure, les gars, c'est qu'il a toujours pas de truc pour s'essuyer le fond. Ah, ça, c'est plaisir. T'en as un d'habitude, non? Non. Même pas? Ouais, d'accord, tranquille, on va te battre facilement, en fait. Et bah, tu sais quoi, je vais commencer pour une fois, là. Oh, il le sait, il sait que c'est une bonne méthode. Les adversaires sont pas encore chauds. Bon courage, Lucas. Et merci, les gars. C'est là qu'il one shot et que nous, on met 20 fois. Ça, t'es chaud? Presque. Allez, ça part en ice. Oh, oh, ça aurait pu. Allez, Lucas qui va essayer de revenir dans la compétition. Ça va être propre. Ça va slicer en face. Hein. Ça va être très très propre en face. Hein. C'est dur. Il nettoie ton terrain sans le savoir. Hein. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. C'était pas loin. Oh putain. C'est si pour ça que je suis filé. Regarde. Ça va, Lucas? Non. Lucas, c'est l'essuie-glace. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, il veut faire courir, là. Elles sont si proches du filet, ces balles, en plus. C'est ça, le niveau 8, hein. Lucas, je l'ai vu là, je tourne la tête, il était là. Oh, c'est bien servi, ça. Non, non. Ça se voit, t'as envie de tirer plus fort, mais ouais. C'est nul. J'ai envie de m'énerver, alors je peux pas, en fait. Silence. Il y a personne qui parle, hein. Ouais, personne, y a pas. Allez, ça passe, je pense. Oh, non. Mais non. Il joue que sur le revers, wesh. C'est trop dur. Il risque de fou, hein. Hey, Lucas, te décourage pas. Oh, Lucas! Mais je sais, je vais y aller, mais il joue bien là. Hein. Vous allez voir après. Hein. Voilà, ça passe.
Let's go. Elle sort sur un point dégueulasse, je gagne. Bravo. Oh, j'ai galéré. Oh, je suis même pas content de moi, je crois. Bien joué. C'était immonde. Non, non, c'est quand même beau parce que t'as réussi à finir. 9 essais, Lucas. 9 essais. Ah ouais. Bon match. J'ai juste hâte qu'il mette une branlée à Pierre. Ah ouais, vraiment. Ça avait calmé direct. Là. Pierre, il est chaud quand même. Il est fort. Oh là là. Ah, on fait mal malin là. Alors Pierre, et 9 essais, c'est pas si mal hein. Oh la vache, qu'il a revoyé là. Pierre, il s'attendait pas du tout hein. Bien joué. Oh là là. Quand même fait chier. T'as vu comme il joue facilement en plus, ça rend super bien. Il est mis à ras du filet, genre il y a tout qui est bon. Tu vois qu'il en fait 4 fois par semaine quoi. Je sais même pas qu'il y avait plus de 4 jours dans la semaine. Oh, c'est nul. On est tellement premier degré quand on joue là. Oh la double faute, t'as fait mal celle-là. Elle fait très mal. Pierre, t'as 2 fois son âge pour info. Allez. Oh, oh non. Oh non. Mais tu l'as payé ou quoi? Oh, je suis abattu. Je suis anéanti, je suis meurtri, je suis dévasté, tout ce que vous voulez. Oh non, c'est ma chance de remonter là. Allez, Bouzy. Oh, la mortie, elle est dommage. Belle glissade en tout cas, j'ai bien aimé. C'est sûrement la plus belle de la vidéo d'ailleurs. Elle mérite un petit ralenti d'ailleurs, cette glissade. Il y a un deuxième c'est maintenant même. Allez. 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 Oui, beaucoup droit ça. Je les savoure ceux-là. J'ai des lunettes pour voir ses coups droits justement. Sinon je les voyais mal, j'étais un peu frustré quoi. Ça joue bien, ça joue bien. Ah ouais, change. Allez, allez. Oh, t'es amorti malheureusement, il n'y a pas cru. Oh. Jenny commente comme ça les vrais commentateurs de tennis. Oh. Ah ouais, stylé. Ouais, ah ouais, lourd. Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais. Oh, ah ouais, ça tue là. Bien. Allez. Bien sûr, on le sait ça. Oh oui, oh oui. Allez, c'est maintenant. Et ça suffit pas. Ah de. Oh, c'est beau. Oh, c'est un beau point ça. Oh oui. Faute. Allez, faute. Oh dommage. Oh, c'était un très beau point. Ça dit quoi l'arbitre? Faute. Non, ça dit quoi? Ça va? Ah ouais, ça va, ça va. Tranquille. Bouzy, il a brillé là. Il a brillé intérieurement. Allez, énerve-toi là. Pète une raquette, putain. Oh, oh. Allez, bonne. Oh, ça passe. Oh, s'il marque là. Oh non. Elle y est? Bah, à vérifier, mais je crois qu'elle est dedans. Sérieux, je crois qu'elle est faute, mais. Mais celle-là, je sais pas comment elle est, je sais même pas où elle est. J'ai envie de l'accorder. Allez, Dylan, sois sympa. J'ai envie de l'accorder parce que c'était limite là-bas. Elle y est? On l'accorde pour le geste. Elle est là, elle. Il y avait un doute sur le service, mais là, elle est bonne derrière, donc on va l'accorder celui-là. Je l'ai pas vu faute, moi, donc. En fait, tu sers à quoi? En fait, dès que c'est sur cette ligne, j'arrive pas. Les autres lignes, j'y arrive bien. Mais c'est pas ton taf? T'es au courant de combien on te paye? Oui, zéro. Ah oui. Et ben on l'accorde sur cette belle fraude en tout cas. C'est très Roland Garros comme débrief pour savoir s'il y a point. Parce que Simon Fort il fait ça des fois. Bon, belle fraude en tout cas. J'ai bien aimé. Et ben écoute, on va s'arrêter là-dessus, tu vois. On fait un débrief là-bas peut-être. Moi je remonte là, moi du coup. Ouais, c'est vrai. Alors déjà bravo, parce que franchement tu nous as bien fait galérer. Ouais, mais moi je suis frustré que j'ai gagné mon point sur une faute de lui. Pareil, j'aurais bien aimé essayer de construire un truc. Je vais très mal dormir les 8 prochaines nuits pour info. Et il y a le petit récap des points. Pierre a 17 points, donc t'es pas mal quand même. Ensuite il y a moi avec 28 points, donc 11 points d'écart, mais c'est quand même remonté. Et Bouzy 32. 32 en trichant. Non, ça va. Ce qui est fou, c'est que, en plus, moi je trouve que c'est celui qui joue le mieux de nous trois. Hein. Et oui, mais on est d'accord. Non, bah il joue sur mon revers, il l'a vu. Tout est possible pour nous deux, déjà pour passer les premiers. Et on passe justement, merci frérot en tout cas, on passe justement au niveau 9 maintenant. Ça va être très, 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 très sérieux. C'est parti. On accueille du coup le niveau 9. Frérot, tu t'appelles comment? Arthur Géa. Alors, c'est quoi ton palmarès, ton niveau? J'imagine que c'est un truc de fou. Bah là, actuellement, je suis 8e mondial junior. Quoi? Ah oui. Ah oui, d'accord, j'étais pas prêt à ça. Marius, il est junior aussi, hein, donc faut pas avoir peur. Oui, c'est vrai. À tout moment, il part en boudon à la fin du match. Attends, 8e mondial? Non, mais junior surtout, t'as quel âge? 18 ans. Ah ouais, d'accord. Donc, ah ouais, c'est le Mbappé du tennis, quoi. J'ai joué Roland, sûrement, pas assez sûr, là. Déjà, quand tu dis Roland et pas Roland Garros, déjà. Ouais, tu as fait Roland Garros, là? Ouais, ouais, junior, déjà. T'as fait quoi? L'année dernière, j'ai fait 8e, donc je vais jouer tous les grands chelems, là, cette année, comme l'année dernière aussi. Il dit ça normal, c'est un truc de fou, en vrai. Il va nous fumer, les gars, c'est sûr. Et alors, on explique juste pourquoi t'as pas ce t-shirt avec un numéro au-dessus. Parce que t'as ton sponsor. Bah, déjà, si, c'est sérieux, ça. Ça, c'est très, très sérieux, ça. Qui veut commencer, là, les gars? Allez, j'y vais. Tu restes, Bouzy, allez. Bah, les gars, quitte à se faire ridiculiser pendant. Bon, les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe là. Imaginez le niveau 10 qui arrive. Je vais lui montrer c'est qui le boss des juniors ici. Ça va être catastrophique. 8e mondial, les gars, dans le monde. Dans le monde, dans les jeunes, c'est le 8e meilleur au monde. Dans le monde entier, il y a 7 milliards de personnes. Hein. Allez, bon courage. Hein. On a 20 essais. On a 20 essais et il fait le jeu. Oh, j'y ai cru. T'as vu, même nous, on s'est redressé. Ouais. C'est comme si tu joues à la play et que t'es sérieux, tu vois. Après, c'est nous, Pierre. Hein. Tu sais que c'est un honneur de jouer quand même contre ces gens-là. Ouais, c'est un honneur de jouer comme toi. Bon, c'est accessible. Hein. Tiens, il a même pas lancé. Il joue en souriant en plus. Hein. Oh, il a vraiment là par la pression, il sait qu'il rate une balle, c'est fini quoi. Oh dommage.
C'est pas mal ça, merde. Allez, silence. C'est bon, t'en regardes. Fais-moi un service là. Il compte hein, il compte. Ouais ouais, vas-y. Oh. Oh, oh. Ça aurait pu être une énorme douille là. Oh la fraude. Aïe 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 aïe. Faut l'enlever le filet au milieu là, il casse les couilles en vrai à chaque fois là. Ah, il est pas bien fait en plus. Il y a plein de trous. Ouais, bon, mauvaise qualité ça. C'est un peu poussiéreux le terrain. Je veux la terre battue chez moi là, j'aime bien. À la place du carrelage. Bah moi j'avais plus du carrelage ici, tu vois. Oui. Oh, il sert de mieux en mieux. Dommage, c'est la fin de la vidéo. Wow. Oh. C'est donc ça, un joueur professionnel. Putain, il met de ses balles, la vache. Il est pas chaud encore. Il joue avec le sourire. Arrête de sourire. Désolé, désolé. C'est vrai que c'est un gars parfait, lui. Il a eu le permis du premier coup. Bah oui, c'est sûr. Et alors qu'il a même pas 18 ans. Oh. Ah. Oh non. Ah. Oh dommage, c'était incroyable. Dommage. C'était incroyable. On rêvait qu'elle soit faute là, sur le retour là. Ouais, je sais pas, j'ai mis toute ma force là. Aïe aïe aïe, dernier essai pour Bouzy. Est-ce qu'il va le faire? Po 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 po. Ah, c'est pas vous me servir de faire ça. J'aime bien ça. Oh, ça sert de mieux en mieux. Dommage, c'est parce que c'est vraiment le dernier service. Oh là, le dernier. Ouais, jouez là, jouez là, jouez là. Oui. Oh. Il envoie bien Bouzy en vrai. Oh dommage. Oh dommage. Bien joué. 20 essais, c'était le maximum. Tu peux y aller Pierre en attendant. Et 20 essais maximum pour Bouzy, mais en même temps c'était vraiment dur. Donc plus 20. Ah la vache. Par contre t'as fait des très beaux points. Bon match. Bon match. Allez. Silence. Allez. Et tu sens qu'il est vraiment à l'aise quoi. Il galère pas du tout, il transpire pas. Hein. Il est encore bien coiffé. Hein. Niveau coiffure c'est parfait. Oh. Pourquoi pas Pierre. Oh pourquoi pas. Oh dommage. Petit sourire de Pierre, il sait qu'il peut le faire là. Après comme on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir des erreurs. Hein. Ouais. Il a qu'une vie hein. Au ping-pong j'avais fait quelques belles fraudes. Hein. Oh. Oh là là. Oh là là. Oh c'est beau, il se donne. Oh quel point. Oh quel point. Son footing. Il a failli shooter la caméra, mais c'est beau. C'est beau Pierre. Et là il est mort pour les 12 prochains points là. Bien couru. Oh oui. Beau service ça. Ouais. Oh, oh, oh. Ouais, ça parle français là. Là, faut choisir un côté comme les pénaltys. Droite ou gauche. Ouais, mais ça, c'est tellement cadeau pour lui, ce genre de truc là. C'est pour ça que je mettais des gros services, parce que regarde, mes deuxièmes, ça fait ça, tu vois. En fait, c'est comme si tu perdais le point. Oui, ils aiment ces services. Allez. Oh, oh ça revient bien. Oh, ça revient bien. Oh, 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 oh. Oh la violence du coup. Dernier les gars. Dernier point. Et je pense que typiquement ce mec là, même si on laissait sans essai, je suis même pas sûr qu'on le batte quoi. Ouais bah dommage. Dommage pour Pierre. Quel match. C'était le dernier malheureusement et j'y vais. Il y a de la transpiration. Toi tu transpires? Oui. Ah je l'ai fait transpirer. Non. Si. Attends c'est pas fini, j'arrive, j'arrive. Les gars croyez en moi s'il vous plaît. Je vais le faire là. Je me révèle sur les grands niveaux. Oh. Oh la vache. Oh les gars. Allez Lucas, Lucas du premier, Lucas allez où? Non, non. Oh non. Oh Lucas du premier, on y croyait tous. Oh la vache. Incroyable ce point. Il va être trop fort. Je m'imaginais déjà célébré, je sais pas, c'est terrible. Le service était incroyable. Et tu sais, il m'a pas vu jouer avant, il doit croire que je suis trop fort, tu sais. Je l'ai intimidé là. Oh beau service. Oh, oh non. Ça c'est vraiment ce qui peut passer, comme au ping-pong. Ça aurait été ignoble, mais ça aurait été incroyable. Faute. Ah non, c'est ah, vrai. Elle est faute. Elle est faute. Ouais. Oh non. Franchement, tu méritais. On y a tous cru. Ah, oh, je suis abattu. Oh, c'est bien servi. Ouh, c'est beau ça, Lucas. C'est beau, allez. Oui. Non. Oh, dommage. C'est mieux, là. Hein. J'adore ce sport, putain. Allez, allez. Oh, oh le cadeau. Oh, oh, tu l'as mise, elle est bonne. Lucas, elle est bonne. C'est un faux penalty. Dernier. Oh, mec, c'est trop. Oh là là. Il est chaud là. Incroyable. Bien joué, mec. Merci. Bien joué. 60 points de suite. Ouais, c'est pas mal. Mec, t'es incroyable, bravo. Merci. Ça, tu sers pas mal, c'est vraiment. Oh, arrête, vous avez entendu ça la caméra ou pas? Je te jure.
C'est vrai, oh. J'ai eu peur sur le premier point surtout quand même. Oui, le premier point c'était le plus sérieux. C'est filmé avec plein de caméras ce qu'il a dit. Hein. On peut te voir à la télé pour Roland Garros ou non? Ouais, normalement oui, on peut suivre sur France 4, sur France TV. On peut regarder les matchs des juniors et après bah, s'il joue en pro. Je pensais à le soutenir à fond parce que c'est peut-être un futur très très grand tennisman français qu'on a devant nous. Et on pourra dire qu'on l'a pas battu. Non, c'est vrai. On l'a formé en tout cas. Oui, formé, formé. Bah, merci beaucoup en tout cas, on te souhaite le meilleur du coup pour la suite au tennis. Merci. Et puis justement maintenant les gars, on va passer au niveau 10. De toute façon, le score change pas beaucoup parce qu'on a juste tous pris 20 points. Mais tout est encore possible. Là, il faut juste s'appliquer sur le niveau 10 et on va l'accueillir maintenant. C'est exceptionnel ce qui se passe. Le niveau 10, c'est parti. Bon, les gars, niveau 10, on accueille une légende du tennis, c'est exceptionnel. On a Justine Hénin avec nous. Bah, bonjour Justine, merci d'être là. Bonjour à tous, merci de m'inviter. Ah bah avec plaisir. Donc Justine, on va quand même dire ton palmarès qui est absolument fabuleux. T'étais numéro 1 mondial pendant combien de temps 117 semaines, c'est possible. 117 semaines, numéro 1 mondial. Y a pas 2 ou 3 Roland-Garros? 4. 4 Roland-Garros, remporté, hein. C'est un truc de fou. Championne olympique aussi? Oui, 2004, hein, ça remonte. Hein. Et combien de grands chelems en tout 7. 7 grands chelems, c'est exceptionnel. C'est quoi les autres à part Roland? Un Open d'Australie et 2 US. Je vous regardais à la télé à l'époque. C'est vrai? Bah oui, c'est pour ça, là, ça fait bizarre de vous voir. En plus, c'était la grande époque avec tout Serena Williams, Amélie Mauresmo, tout ça. Il y avait une belle concurrence. Et Justine, on peut aussi te retrouver du coup sur France Télé là, avec Roland Garros qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau? Tu seras consultante? Je serai consultante, je serai en terrasse avec Laurent Luya, avec toute l'équipe de journalistes, avec mes collègues consultants évidemment. Et puis on sera en cabine, aux commentaires aussi. Et ben on a hâte de suivre ça. Et puis aussi, t'as une fondation aussi? Oui. On peut en parler aussi aux abonnés, bah, c'est vraiment important. On a créé la fondation Justine Hénin il y a un peu plus d'un an. Et la mission, c'est vraiment d'encourager la pratique sportive adaptée. Évidemment, on parle pas de sport de haut niveau, on parle d'une pratique sportive adaptée pour les enfants malades ou porteurs de handicap en Belgique. Et donc, on a soutenu un programme qui existait, qui est d'activité physique à l'hôpital, dans un gros hôpital à Liège. On va essayer de le développer dans d'autres hôpitaux. On a des coachs physiques qui viennent finalement aussi faire bouger les enfants. On sait que c'est très important pour leur confiance en soi dans des moments qui sont difficiles. Et là, on est en train de financer la construction d'un terrain de sport à l'hôpital. C'est unique en Belgique, ça n'existe pas encore. Et donc le sport, mais le sport évidemment adapté pour aider les enfants à se reconstruire dans des moments difficiles. Et la fondation grandit, on est très heureux. Ça donne beaucoup de sens à tout ce qu'on fait. Ouais. Ah bah c'est génial, on peut mettre un lien en description pour le site, il y a un site internet. Oui, la fondation Justine Hénin Foundation. Et bah on met le lien en description si vous voulez soutenir à l'association, évidemment, c'est avec plaisir. Bah justement, on va pouvoir commencer le match maintenant. Les gars, pour le suspense, qui doit commencer? Attends, parce que le suspense vaut mieux que le dernier commence. Ah bah je commence, les gars. J'ai des frissons, les gars, j'ai des frissons. Allez, ça part. On a l'impression d'être à Roland Garros, là. Allez, vous-y, tu peux le faire. Hein. J'ai des frissons, les gars. Oh, bon second service, là. C'est beau. Oh, c'est beau! Oh, ça aurait été beau! Eh ben! C'est ça tes commentaires? Eh ben! Très daron ça! Prends le filet, Romain, il prend le filet! Faute! On y a cru! Oh non! Oh là là! Le retour! Ah! Elle est belle! Oh, il y a un beau point là! Allez! Oh, c'est beau. Allez, oh, il a pas les cartes. Dommage, le cardio qui peine. J'y croyais. Mais pareil, t'as pas envie de gagner sur une faute en vrai. Si, je m'en fous. Ah, ok. Ok, ça va. Là, je crois qu'il s'en fout. Oh, oh là là, il subit. Ah, le sourire, elle a le sourire. Oh, il a mis. Bien joué. Oh là là, il a fait. Un peu de chance. Le 17ème? Ouais, je sais pas, j'ai même pas compté, mais... Bien joué. Oh, j'ai été sympa, là, sur le retour, ouais. Je n'ai pas mis assez. Incroyable. 17ème essai. Mais c'était trop bien, merci beaucoup. Hein. Merci à toi, très sympa. Pierre va y aller maintenant, et au moins, s'il fait 20, il y a un peu de suspense, peut-être que je peux passer premier, quoi. Bon match. À toi aussi. Donc, là, c'est Pierre qui y va. En fait, l'idéal, c'est qu'il galère autant que toi, ou même qu'il fasse 20 essais. Qu'il fasse rien, qu'il en mette pas une. Voilà. Allez, je peux le faire. Silence. On est au CDI. Allez. J'espère vraiment qu'il va rater là. Pour le coup, je suis pas du tout avec Pierre. Ouh. Quoi? Non. J'ai une grosse absence. Oh là là, catastrophe. Oh, je suis anéanti. Oh oui. Non. Il s'assure quasiment la victoire dans ce tournoi. Elle était tellement courte que j'ai été surprise. Oh non. Ah, t'as une grosse pression maintenant, Lucas. Oh, je suis anéanti, moi. Merci. Pierre, du coup, t'as tué le suspense. Pierre, t'as gagné forcément. Mais je vais essayer de faire des beaux points, les gars, et de au moins de marquer un point à Justine, quoi. Ce serait quand même un truc de fou, quoi.
sert, là, ça sert. Oh, ouais. Oh là là, oh. Oh là, tu sais que ça va être agressif là. Tu l'as énervé Pierre là aussi là. Je me rappelle du moment où on était contre Marius. Ah oh, putain. Non, c'était il y a trois jours. Ouais, ouais, c'est bien. Oui. Oh non. Oh, j'ai cru. Attends, mais c'était incroyable ça. Elle a mis un point de fou là. La raquette a touché le sol. Franchement, elle pourrait presque gagner Roland Garros, je pense. Oh. Là, je peux rien faire là-dessus. Genre deux balles. Ah, mais quel plaisir de jouer quand même. C'est un truc de fou. J'ai envie que ça s'arrête jamais cette vidéo. Ça sert bien. Oh oui. Allez Caroline, c'est sûr, c'est sûr. Oh non. Non, j'ai le seum. Elle est là, hein. Elle répond bien. Il est terre abattu. Dernier, dernier. Allez. Oh, il assure. Oh, aïe, 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 aïe. J'ai envie de chialer. Ah, bien joué. Hein. Joué, Lucas. Merci. Ah, quel plaisir de jouer contre toi. C'est incroyable. Hein. Très sympa. Bravo du coup à Pierre qui gagne. Ouais, ouais. Ouais. Bah, là, on a commencé un match. On en est à 35 pour elle, mais on n'a pas fini notre match. Hein. Non, en tout cas, c'était incroyable cette vidéo. Mais déjà, merci bien sûr à Bouzy. Merci à Pierre d'avoir participé. Merci à Marius. Merci à Marius aussi. Et merci bien sûr à tous nos adversaires. Les ramasseurs de balles aussi. Les ramasseurs de balles. Toute l'équipe. Merci à Justine, bien sûr. Je précise que Roland Garros, ça commence bientôt justement à suivre sur les antennes de France Télé. Avec notamment Justine Nénin, Nelson Montfort, Fabien Lévesque qu'on a vu. Dès le 22 mai, il y a les qualifs sur la plateforme France.tv si vous voulez suivre ça évidemment. Et à partir du 28 mai, c'est du coup tout le tournoi directement sur France Télévisions avec France 2, France 3, France 4 pour ne rien rater. C'est diffuseur officiel depuis plusieurs années donc bien sûr c'est l'événement un peu à rater. Cette période là, la période de Roland Garros. En plus, c'est début d'été à Paris. C'est incroyable. Merci aussi au Tennis Club Paris où on est actuellement. C'était vraiment un super endroit pour jouer. Merci au tennis d'ailleurs. Merci au tennis d'exister, ça fait plaisir. Franchement, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Est-ce qu'on reviendra avec un prochain épisode? Bien sûr, avec grand plaisir. Merci à tous en tout cas et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Ciao.